Ça va barder à Gorulia. J'espère que ça va bien les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode de Mario et Luigi, l'épopée fraternelle sur Nintendo Switch. Et Gorulia est sans dessus dessous parce qu'il y a le méchant Gorulis, c'est ça son nom, je pense, qui a fait des siennes. Franchement c'est énervant, voire pénible. Tout le monde arrête pas de causer. De vous les casse-pieds. Gorulis vous aime pas. Alors c'est toi qui as détruit tout le travail des artisans de l'île. T'es pas banal toi. Et t'as aussi l'air drôlement goûtu. Quick. Pas du tout. Tu sais pas que rien n'est bon dans le couchombe. Je suis furieux. J'aime rien ici. Et eux ils m'ont rejeté. Personne veut me parler. Et ben moi, je vais tout casser, voilà. Ensuite, c'est moi qu'on admirera. Je vais tout casser. Oula. Ready to fight. Un épisode qui commence sur les chapeaux les roues. Allez. Alors, bah là, on va plutôt sauter, hein. Faut pas louper nos coups. À mon avis, il est costaud. Oui, voilà la grosse barre qu'il a. Voilà. Qu'est-ce qu'il va me faire? Oula. Deux coups à la... Trois coups à la suite. Oula là. Misère. Ah mince. Ok. Oh. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bizarre. Luigi, éclair de génie. T'as eu une idée, Luigi? Luigi peut parfois observer les boss ainsi que leurs environs et avoir un éclair de génie qui peut retourner la situation à ce moment-là. Et une fois venu le tour de Luigi, sélectionnez le bloc de commande génie de Luigi pour voir ce qu'il a imaginé. Si vous menez à bien un plan déterminé par le génie de Luigi, vous pourrez infliger de lourds dégâts à un boss. Les plans de Luigi nécessitent toujours l'aide de Mario. S'il est KO, utilisez un champion one-up pour leur quinquer. Ok. Mince. J'ai eu peur. Ça va. Et en plus, il est sonné. Juste entre le marteau et le saut. Oula. C'est mieux. On est qu'à la moitié, hein.
Bon, ça devient dangereux. Oula, mince, oui. Et voilà. Pauvre Mario. Non, le génie sert à rien là. Faut d'abord ressusciter Mario. Oh là là. Oh purée, c'est pas possible. Ah, vraiment, ça c'est du gâchis là. Des parades d'urgence en fait. Oh purée, ouais. Tout. C'était vraiment pas bon là de ma part. Vraiment pas bon. Ah, trop tôt. Voilà. Mince. Oh. Oh nul. Oh là là, loup. Allez, concentre-toi. C'est mieux. Très bien même là. Allez, vas-y. Mario, on compte sur toi. Non. Ben voilà. Eh ben quelle affaire. Eh pas simple pour un premier boss. Et puis j'ai pas été très bon en plus, ce qui n'a pas aidé davantage. Alors la carapace. Que pasta. Atteignez certains niveaux pour améliorer votre rang. A chaque amélioration de rang, vous pourrez choisir un bonus de rang pour devenir encore plus fort. Le nombre de bonus disponibles augmentera également au fur et à mesure. Attention, vous ne pourrez pas sélectionner tous les bonus et vous ne pourrez pas changer d'avis plus tard. Alors tenez bien compte des points forts de chaque frère ainsi que de votre style de jeu et choisissez le bonus qui correspond le mieux à ces critères. Augmente de 1 les PV max quand vous passez au niveau supérieur. La moustache. 20% d'expérience obtenue lorsque vous battez un ennemi. Waouh. Ça c'est intéressant pour aller très vite, mais à long terme. À long terme, c'est pas forcément hyper intéressant. Mais on montera plus vite. Mais on sera moins puissant à long terme. Mais après, est-ce qu'on veut. C'est quand même intéressant. Oui. Oui. Oh, yeah.
Allez, chope ton bonus toi aussi. Le même. Monter plus vite de niveau, ça veut aussi dire être plus fort. Mais bon, de toute façon, je compte pas non plus faire de un endgame de folie, donc c'est pas mal. Oh oui. Vous deux, écoutez-moi. Quelle mouche t'a piqué? J'espérais me tromper quand j'ai cru que tu étais derrière tout ça, gros lisse. Tata. Ce vaurien traînait par chez moi quand il était minot. Ça a duré jusqu'à... Bon, je sais plus trop quand. C'est trop tard pour me gronder. Tu faisais même plus attention à moi, tata. Tout le monde m'ignorait. Alors je... Espèce de petit vaurien. C'est ça la raison idiote pour laquelle tu casses tout ce que tu fais, tout ce que fabriquent les gens. Tu veux qu'on te remarque, qu'on te parle, qu'on s'intéresse à toi? Alors fais-les plutôt sourire. Je vois que je vais devoir te mettre un peu de plomb dans la tête. Qui est bien, châtie bien. Ah ouais. Bravo l'éducation positive, hein. Dire que tu étais un si gentil garçon. Oula, il a l'air encore plus fort que vous deux. J'ai fait tout. Vous n'avez rien? Quel soulagement. Ah oui, grâce à Mario Luigi, tout est bien qui finit bien. Merci. Mais l'île, elle est en piteux état et nos créations sont en miettes. Nous reconstruirons, voilà tout. Qu'importe ce qui a été cassé ou ce qui n'a pas été cassé. Quand on sait comment faire quelque chose, on sait aussi comment le refaire. Oui, c'est vrai. Génial. Tous ensemble, on va réparer notre île. Elle redeviendra la plus belle. Youhou. Et ben voilà. Oh. Il y a des fruits qui ont poussé. Ou des feuilles, enfin je sais pas, ça poussote un petit peu. Rétablissement des courants interrompu. Je dois reconnaître que vous êtes montré à la hauteur. Peut-être bien que vous arriverez à rétablir connexion après tout. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que vous réussissiez. Je devrais aller parler de l'incident à 10. Lui et les autres voudront sûrement un rapport complet de la situation. Bon, ramenons nos jambons au navisme. Vous pouvez utiliser ça si vous voulez voyager plus vite. Je vous dois bien ça pour avoir bifa au désordre ambiant. C'est bien pratique un tuyau de retour. Ne vous attendez pas à ce que les choses soient plus simples sur les autres îles. Avec ce tuyau de retour, vous pourrez vous téléporter sur les îles où circule l'harmonéon. Eh mais c'est super pratique. On peut retourner au navisme tout de suite. Devinez qui l'a fabriqué. Un indice, c'est Amy. On saura de qui tienne, j'ai fait ci, j'ai fait ça hein. Je pourrais bricoler ces trucs les yeux fermés. Allez, on attend quoi pour le tester? Appuyez sur ZR pour l'utiliser. Et soyez prudent, c'est bien compris. Ok. Eh ben merci pour le cadeau. Retournez au navisme. Ploup, ploup, ploup. Ok. Pouit, 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 pouit. Mario, Luigi, vous avez sauvé Gorulia. C'est un touriste de là-bas qui me l'a dit. Oh bah, ce n'est pas grand-chose, mais prenez ceci en remerciement. Les attaques frères Carapace Rouge et Carapace Verte. Ah bah enfin, des attaques spéciales. Allez.
Je les ai trouvés sur la plage, je me suis dit que ça pourrait vous servir. Oh, je n'ai encore jamais vu de tel coquillage. Vous croyez qu'il renferme quelque chose? Je me demande ce qui pourrait se cacher à l'intérieur de tel coquillage. Je suis content que ça vous plaise. Merci beaucoup, vraiment. Avez-vous appris la nouvelle, très chère? Il paraît que la fille de Manfetou vient d'arriver sur le navisme. Oh, quand on parle du loup. Regardez. Oh, ça alors, peut-être vont-elles se retrouver à nouveau en famille. Ça serait touchant, n'est-ce pas? Je t'en doute pas. Oh, eh bien, j'ai entendu dire que l'enfant n'a toujours pas rendu visite à sa mère. Vraiment? Ah, quel dommage, il faut dire que Manfetou peut parfois se montrer peu commode. Bon, n'avait-elle pas fait taire une île entière d'une de ses retentissantes fulminations? Oh, quel chipi nous faisons parfois! Tiens, salut les frères à moustache remplis de panache. Par cette visite, vous souhaitez savoir si ma mère, je compte aller voir? Je ne compte pas rentrer prochainement. Je ne veux pas faire de soucis à maman. Elle peut passer de l'amour à la colère, à la vitesse de l'éclair. C'est vrai, mais tu pourrais au moins aller lui faire coucou. Si tu insistes pour que je rentre bientôt, tu devrais m'accompagner, frérot. Moi? Oh, j'ai du travail ici. Mais passe-lui le bonjour pour moi. Pfff. Bien, tu as gagné, je vais rentrer. Je rentre à Gorulia, retrouver mon chez-moi. Si vous y venez, venez me trouver. Non mais évidemment, je m'inquiète un peu pour elle. Vous voulez bien aller à Gorulia pour voir comment elle va? Super, je vous donne une pierre chandelle. Ah, une petite quête. Très bien. En raccordant des deals, vous rencontrerez des gens qui vous proposeront des missions. À la fin de chaque mission, vous recevrez une récompense. Écoutez bien les ragots de ces commères pour obtenir des indices concernant la mission. Des personnes sur le navire ou à Connexia peuvent avoir une requête pour Mario Luigi. Parlez à ceux avec une bulle au-dessus de leur tête et ils vous donneront une mission. Accomplissez des missions pour obtenir des objets utiles ou en apprendre plus à propos des personnes que vous rencontrez. Certaines missions doivent être accomplies dans un temps limité. De plus, certaines ne sont plus disponibles passé certains points de l'aventure. Perfectionniste, préparez-vous. Ouh là là. Les icônes sur la carte peuvent donner des indices sur la progression des missions. Une icône seule représente une mission en attente. Rendez-vous à l'endroit indiqué et parlez à la personne que vous trouverez là-bas. Une icône accompagnée d'une flèche signifie que vous avez accepté la mission. Consultez le menu aventure pour plus d'infos et essayez d'aider le plus de monde possible. La coche validée à côté d'une icône signifie que la mission sera terminée en parlant à la personne qui vous l'a donnée. Complétez vos missions pour obtenir les récompenses. La couleur de l'icône peut changer si la mission arrive à expiration. La progression de l'histoire peut empêcher d'accomplir cette mission. Gardez l'œil ouvert. Bon, on doit décider dans quelle direction faire voguer le navisme. Alors attends. La tente c'est fini, la boutique est ouverte. Chez GF6 c'est que de la qualité. Ceinture belliqueuse, oh là. Pour une initiative, ouais, mais pour l'instant, écoute. Autre chose? Ah, au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes sur le navisme? Non. Enfin, on peut passer le tuyau doré sur le navisme. De toute façon. Il y a ce tuyau aussi. Allez, allons à Gorulia. Avant de trouver la prochaine île, on va voir pour faire des missions. Quand même. Elle est grande l'île quand même. Ok, il y a juste à aller là-bas. Où est le tuyau déjà? Ouais, juste là. Ah, ils ont déjà tout réparé. Et d'ailleurs, attends, je vais rouvrir encore une fois. Oui, j'ai toutes les petites lumières, c'est super. Faudrait que je me soigne aussi, tiens.
Alors. Je monte et c'est à gauche. Voilà, c'est mieux. Je sais que tu te faisais du souci de ne pas m'avoir revu depuis. J'accepte la gronderie. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Je suis juste contente que tu ailles bien. Tu pensais que je t'en voulais? C'est pour ça que tu ne voulais pas rentrer? Eh bien... Quelle est la raison de cette réunion? Vais-je avoir droit à un sermon? Alors, je vous ai causé du tracas. Voilà qui est indélicat. Oh, un instant. Voilà un cadeau en remerciement pour avoir supporté mes tourments. Mais enfin, je sais combien tu tiens à ce truc. Un outil, c'est fait pour s'en servir. Si tu ne le pensais pas, il ne fallait pas nous le dire. Je n'en veux plus, je dois m'en séparer. Tenez, c'est à vous désormais. Oui. Vous dans l'émission. Fan de marteau. Pas encore accepté, hein. Elle est encore plus puissant. Alors, il y a quelqu'un là. J'y arriverai pas aussi bien que j'ai fait ici. J'ai fait ici mon héros. Petit, il était du genre maladroit, mais avec de la discipline, il devient virtuose. Moi aussi, je suis maladroit. Alors, je m'inspire de j'ai fait ici et je travaille dur pour m'améliorer. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait m'apprendre à utiliser un marteau. Oh. Vous allez m'enseigner l'art du marteau ? Encore une fois. Oh, encore une fois. Encore une fois. Ah, encore une fois. Hey, encore une fois. Super, encore une fois. Allez, encore une fois. Hey, le frère vert, entraîne-toi avec moi. Yeah. Encore une fois. Wouhou. Encore une fois. Ouais. Ouh. C'est bon, on peut arrêter là. On lève le marteau au-dessus de sa tête et on abaisse. Je vois. Oui, je crois que je commence à prendre le coup. Merci. J'espère que ce petit cadeau exprimera ma gratitude. J'ai frappé fort. Ça va être complètement marteau. Un haricot cœur, mais ça fait quoi un haricot cœur? Objet. Alors attends, parce que. Haricot cœur. Augmente les PV max de 1. Ah bah, c'est plus pour Luigi la défense. Voilà. Pierre Gorulia. Ah, c'est du craft. Ok, on devrait peut-être la garder de côté, la graine de Bulbette. Ok, hein, moi je dis. Pas d'autre. Pourquoi y a pas la carte en entier, c'est relou. Rien de spécial. On va retourner ailleurs, du coup. Faut le jungle. Il y a une quête. Poup poup pip pap pap. Pip pap poup pap pap. Pip pap poup. Pip pap pap. Ah, plein de l'exploration à faire en plus, hein. On est pas revenu depuis un moment. Alors. Et
essayez d'utiliser les attaques carapace rouge et carapace verte que vous avez obtenues. Choisissez attaque frère pour que Mario Luigi s'allie et exécute une attaque surpuissante. Chaque attaque consiste en une série de boutons sur lesquels il faut appuyer. Réussissez la série pour infliger de lourds dégâts. Vous découvrez de nouvelles attaques frères à mesure que l'aventure se poursuit. Les attaques frères permettent de vaincre des ennemis d'un seul coup. Ne les réservez pas uniquement au combat de boss. Les attaques frères utilisent des PF. Si les PF sont insuffisants, l'attaque ne peut pas être déclenchée. Utilisez le sirop pour en restaurer. Dans le menu guide, leçon couchombe, vous pouvez vous entraîner à pratiquer les attaques frères. Dans certaines situations, les leçons ne sont pas disponibles. Ne pas utiliser les attaques frères contre des ennemis aussi faibles. Une liane. Badapapam. Allez. C'est pas le bon endroit. Ah voilà. Voilà, c'est là je l'ai eu. Hé hé, c'est bon là, j'ai le coup. Besoin d'être là. Voilà. Le monde a éclaté alors qu'on faisait semblant d'explorer la jungle. C'est vous qui l'avez rafistolé, vous nous avez sauvé la peau. J'ai l'impression qu'on traîne dehors depuis bien plus longtemps que prévu. Et pourtant, on n'a pas eu faim une seule fois. C'est fabuleux la nature, hein. Je vais faire repasser là. Waouh. Beau trésor. Oh, c'est quoi ça? What? Ah, vous voulez vous séparer pour les récolter? Bonne idée! Une petite compétition pour voir qui en trouve le plus? Je suis partant! Non, 199. Il en manque une. Ça peut mettre 200 quand même. On va se balader là. Je continue d'explorer quand même ici, hein. Donc la quête est là. Ah, et là-haut. Non. Mince. Oh, quelle horreur! Ah, il y a quelqu'un là-bas! Il va tomber! Oh, il faut le sauver vite! À l'aide!
Ok, vas-y Luigi. On va le sauver après. On a le temps. Ah, c'était pas dur. Oh, belle récompense. Oh, oh, pardon. Oh, je faisais un rêve où j'étais sur le point de tomber sur un os. Eh ben, qu'est-ce que vous trafiquez tous là en bas? Quoi? Oh, je voulais pas faire d'histoire. Oh, excusez-moi, je voulais pas semer la panique. Tout va bien, je faisais une petite sieste, c'est tout. Y a pas de problème. Et roupillé en fait. On s'est fait du mouron pour des prunes. Bah, tant mieux si tout va bien. Oh la honte. Oh, j'en ai pas l'air comme ça, mais je suis un gros légume. Enfin, j'étais. Avant, je travaillais en ville, quand les gens me croisaient. Ils me donnaient du bonjour, patron, et faites gaffe, le boss arrive. On dit une grosse légume. Dans ce cas-là, c'est au féminin. Et puis le triste jour est arrivé où je me suis levé pour aller travailler. Oh, et où la terre avait éclaté en morceaux, m'empêchant de me rendre en ville. Tout ça date pas d'hier, mais entre temps, un autre triste jour est arrivé. Ça faisait si longtemps que j'étais pas allé au bureau qu'il m'avait forcément remplacé. Et en plus, j'avais perdu espoir, j'avais perdu mon énergie, toute maniaque de patron. Et là, vous savez ce que ma femme m'a dit? Arrête de te lamenter, tu aimes travailler, alors secoue-toi un peu. C'était pas agréable à entendre, mais elle avait raison. Il me fallait un job pour me requinquer. J'ai traîné ici, là, à la recherche d'un boulot où je serai à ma place. Et puis un jour, ici sur cette île, j'ai trouvé ce que je cherchais. De la sueur, de l'exercice, le bon air. Un bon travail honnête en pleine nature. Le hic, c'est que je me fais vieux pour un boulot aussi physique. Aïe, aïe, aïe. Mon pauvre dos souffre le martyr avec ce genre de bon travail honnête. Si ça m'intéresserait d'aller sur le navisme pour ralentir un peu, ok, je vous suis. Et voilà. Ah non, mais attends. Je vois, et je peux revenir en passant par Spio. Parfait, merci. Je vais devoir repartir pour explorer. Oh non, ils m'ont fait revenir au début. Oh, il y a une île là-bas. On va attendre de faire le tour quand même, pour voir s'il n'y a pas une autre île. Aïe. Mince. Voilà. On va bientôt monter de niveau. Ok. Alors attends. Non, ça c'est fait. C'est pas par là. D'abord. Voilà. Hé hé. Ah mince. Heureusement que j'ai attention. Ok. Alors. Aussi long de remonter que de passer par par le tuyau. Donc je vais passer par là.
Non, oh. Il en a un coup, s'il vous plaît, voilà, parfait. Oh. Yes. Allez. C'est bien à l'attaque. Ah ah. Très bien. Bravo, bravo. Récif en vue. Comment ça, récif? Attends, ah non, mince. Ah, oh. Je vais passer par l'autre côté en fait. Bah non, je peux pas passer par l'autre côté en fait. Il y a des îles et les récifs, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà. Mince, à côté. Allez, vas-y. Très bien. Et voilà. Et normalement, on a toutes les bestioles de l'île. Yes! Parfait. Alors, on va aller sur une autre île, du coup. J'explorerai bien le récif avant le... Spiralia. Donc, vite fait, maintenant qu'il y a l'harmonéon. Poup, poup. Poup, poup. Poup, poup, poup. Oh, j'adore la musique. Donc il y a là au début. Et bah c'est tout. Donc on va aller vite aller voir ça. Après il y a deux chemins. En bas aussi on peut y aller, il y a peut-être un cadeau. Ah, vous avez entendu parler des pépés navets? Pareil qu'ils poussent dans la terre de Connexia depuis très très longtemps. Je sais pas si c'est une info qui vous sera utile. Faites en ce que vous voulez. Les pépés navets. Ah bah, un pépé navet. Bonjour, je suis le pépé navet de Spiralia. Quel bel arrachage en rythme vous avez fait. J'ai pas rêvé, il y avait bien une douce mélodie qui venait de l'Est. Ah oui, j'en suis sûr. Et vous, chers arracheurs de navets, vous chantiez et vous dansiez là-bas? Oui. Ces airs festifs m'auraient envie de sortir de mon trou et m'étirer un peu les racines. Oh, la musique, c'est magique. La musique, c'est un vrai baume universel, pas vrai? La musique, ça apaise ou ça énergise, c'est au choix.
Alors oui, elle remplacera jamais la médecine, mais elle soigne quand même le cœur et l'âme. Alors, quand il m'arrive d'être fatigué, très très fatigué, j'écoute les deux oreilles. Quand on fait trop de trucs en même temps, on a les neurones qui saturent. Dans ces cas-là, il faut tout arrêter et se laisser porter par la musique. Gardez toujours le précieux conseil du Pépé Navet de Spiralia en mémoire. J'ai encore une chose à dire. Quelle est la différence entre la musique et une statue? La réponse est... la statue est une personne de marbre et la musique ne laisse personne de marbre. Mais vous le saviez déjà? Désolé. À quoi il sert ce Pépé Navet? Apparaître une personne rigolote. Ce qui est déjà pas mal en soi. Allez. Bravo. Allez. Les derniers. À quoi servent les pépés navets? Donc là j'ai tout. Bah ouais. Je veux voir le récif. C'est étrange cette histoire de récif. Donc là, pas de quête, hein. Tout est bon. Je sauvegarde quand même parce que ça fait un petit moment. Ah bah si. Oh, merci de m'avoir aidé. La brise est agréable ici, mais j'ai toujours aussi mal. Mario, Luigi, quelque chose ne va pas? Eh bien, je pensais justement ouvrir un spa pour les gens du navisme. Voudriez-vous essayer un massage? On essaie de voir ce qui peut marcher. Bien sûr! Si nous allions profiter d'une petite séance de replacement de vertèbres. Oh, ça c'est du replacement de vertèbres. Oui, oui. C'est dans quoi? Aventure? Mission? Yes! Bravo! Mario! Luigi! Un rayon de lumière a jailli de l'Unicea! Comme ça! Vous avez vu? Et en plus, ça a rétabli le courant! On dirait bien, ouais! Mais il sortait d'où ce rayon? Cette lumière, elle me rappelle quelque chose. Un grand phare, non? Mais oui, tout juste! C'était la même lumière que celle qui émanait des grands phares. La lumière d'un grand phare? Moi, je veux bien, mais pourquoi elle sortirait de l'Unicea? Il faut croire que les grands phares et l'Unicea sont liés d'une façon ou d'une autre. En tout cas, une chose est sûre. Cette lumière nous indique la voie à suivre, j'en suis convaincu. Oui, tout porte à croire qu'un grand phare se trouve quelque part dans le courant raccordé. Et donc, si on peut remettre ce phare en marche, il nous indiquera à nouveau la voie. Le problème, c'est que le grand phare est infesté d'ennemis. Tu faisais quoi juste dans le phare, Archibald? En fait... quand le continent a éclaté en morceaux, on a échoué à Folle Jungle avec mon père. J'ai observé l'horizon et j'ai vu les îles qui flottaient les unes à côté des autres. On a vite compris qu'il s'était passé quelque chose de grave à Connexia. Pourquoi le continent avait-il éclaté? On s'est mis à scruter les flots à la recherche d'une réponse. Et puis un jour, une ombre sinistre s'est faufilée derrière nous. Quand on l'a remarqué, il était déjà trop tard. Avant qu'on comprenne quoi que ce soit, on était emporté vers le grand phare. J'ai tout vu, des créatures si étranges. Et après, je ne me souviens plus grand chose. Et ton père? Et ta sœur? Archibald. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que papa va bien. C'est juste que... non, rien.
N'en parlons plus, et mettons le cap sur le grand phare, d'accord? Allons donner une leçon à ces créatures et rallumer la lumière du grand phare au passage. D'abord le récif! Vite. Dépêche-toi, je pars faire un tour gratuit là. Le lion qui pleure. C'est joli. C'était l'œuvre qu'on a vue à Gorolia. En fait, c'est juste ça les récifs, d'accord. Faut juste les voir. Eh bah, dis donc, vu le nombre. Vous avez vu? Un récif dans la mer luxuriante ressemble à un grand animal triste. J'adore les petites routes qu'il prend. Il y en a à l'intérieur même. On va retrouver tous les récifs du coup. Oh! Quoi? Qu'est-ce que je voulais dire tout à l'heure? Alors je me disais, Mario, Luigi, vous pourriez récupérer ma longue vue? Je voulais pas être un boulet alors je vous ai pas demandé. Mais je suis sûr qu'elle est toujours là-bas quelque part à Foljung. Archibald est séparé de son père depuis bien longtemps, il prétend que tout va bien mais il a l'air de se tracasser. Certaines missions ne sont disponibles que temporairement. La progression de l'histoire principale les rendra indisponibles. Si vous voulez en effectuer certaines, faites-le avant de progresser dans l'histoire. Elles sont indiquées ou pas? En tout cas, je veux la faire. Est-ce qu'on a exploré tout le Navis? Non. Enfin, y'a rien. Oh! Merci Luigi. Je suis un peu neuneux. Raccourci! Non. Bah, retour à Foljung, hein. Moi, je veux connaître le secret du petit Archibald. Sa longue vue. Je crois qu'elle a été capturée par des monstres, j'imagine. Oh, la longue vue d'Archibald. Où est-ce qu'elle peut bien être? Peut-être que quelqu'un l'a ramassée. On devrait se renseigner. Maintenant, on peut emprunter le tuyau pour aller sur d'autres îles. Même si je pense rester ici pour un moment. J'ai de quoi méditer en écoutant la pluie tomber. Une longue vue? Non, j'en ai pas vu, désolé. On va voir, je sais plus, il y a des gens dans cette île. Là. Vous êtes des pros du portage d'objets. Oh, j'espère que ça vous aidera à avancer. Une longue vue? Non, désolé, ça ne me dit rien. Bah là, il y avait tous les gens qui... Il y avait le gars qui était sur le point de tomber. Enfin, qui dormait. Je suis venu de Gorolia pour dessiner la folle locale, mais il n'arrête pas de pleuvoir. Enfin, je n'ai rien contre la pluie, hein. Une tempête ne manque pas de valeur esthétique. Mais comment dessiner sur du papier mouillé? Oh, ce qu'il faut pas faire pour l'art. Un instant, une longue vue? Je crois que j'en ai vu une là-bas. Enfin, peut-être. Par là. Je suis déjà passé ici. Il y a pas longtemps. Un monstre nous a chippé notre coin préféré. Qu'est-ce qu'on va faire? Que quoi? On va rien faire du tout, hein. On attend sagement qu'il s'en aille. Ah, il y a un objet. On dirait qu'il protège quelque chose. Attention. Et c'est quoi ce truc qui scintille là? Ce serait pas la longue vue par hasard? Combat! On peut les en douter.
Oula, ils sont nombreux. On va peut-être tester l'attaque du coup. Puis pour le plaisir de la voir. Carapace rouge. Frapper la carapace avec A et Mario pour Mario et B pour Luigi. Cible un seul ennemi. Ah non, c'est nul ça. C'est quoi, ça le tue pas? Mince, ah. Tous les ennemis, voilà. Joli. Merci. Très pratique. Donc sur un ennemi, ce sera forcément beaucoup plus puissant. Contre les boss, ça va être bien ça. Faire beaucoup de dégâts d'un coup. Et quand il y a plein d'ennemis, ben, on a l'attaque de Luigi. Et ben voilà. Bon, c'était pas difficile. Parfait, plus qu'à l'apporter à Archibald. Très pratique, hein. Merci, merci maman fait tout. M'en fait tout. Eh, vous voyez cette fille là-bas qui regarde l'océan? Elle dit aimer les récifs rares aux formes étranges. Elle trouve la vue depuis le navisme parfaite parce qu'on les y repère facilement. Alors, c'est quoi un récif? On va lui parler. Ah bah c'est Roxanne, on l'a déjà croisé. Hein? Mais c'est... Oh je vois, je ne vous imaginais pas comme ça Mario Luigi. On s'est déjà croisé pourtant. C'est Silexki, j'ai une requête. Toi et ton frère vous raccordez les îles dérivantes, n'est-ce pas? Pendant que vous en cherchez, j'aimerais que vous repériez des récifs rares pour moi. Évidemment, tout travail mérite salaire. Découvrir beaucoup de récifs pour moi, c'est synonyme de récompense. Bah, si on peut s'en occuper au passage, on peut essayer. C'est Silexki! De plus, on peut deviner où se trouvent les récifs en regardant bien le portulan. Je ne peux que recommander d'utiliser l'archicanon pour observer la forme du récif. J'ai hâte. Dans les mers de Connexia, vous découvrirez parfois des récifs uniques de forme étrange. Repérez-les sur le portulan, authentifiez-les avec la lunette de l'archicanon, et parlez-en à Roxanne, elle vous récompensera en fonction du nombre de récifs authentifiés. C'est amusant d'explorer les recoins de Connexia à la recherche de récifs, découvrez toutes les formes différentes. Combien de récifs ont été découverts? Un. C'est Silexki, merci. Jusqu'ici, le nombre de récifs rares repérés pour moi s'élève à 1. Encore 2 de plus et il y aura une récompense à la clé. Je viens de penser à quelque chose de Silexki. Je veux vraiment prendre le temps d'admirer les superbes récifs qui ont été découverts. Alors je pensais sculpter des répliques. Ça va me prendre du temps, c'est vrai. Le temps d'une aventure. Et j'en aurai au moins une disponible sur le navisme. Oui, c'est plus que certain. Bon, il est où Archie? Bon, il était là dans le coin. Enfin. Ah, il a bougé. Ma longue vue, vous l'avez retrouvée? Merci du fond du cœur, je l'oublierai jamais. Je vais scruter l'horizon de ce pas. C'est fou comme on voit loin avec ça. Ravi d'avoir pu t'aider sur ce coup, mon pote. Cette longue vue, elle me rappelle tant de souvenirs de mon père.
Non, aujourd'hui non plus. Toujours pas d'Unicea. En effet. Le flux d'Harmonéon est toujours interrompu. Et le phare de l'île est toujours hors service. De même que le grand phare, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je préfère pas trop y penser, mais il doit y avoir un problème avec l'Unicea. Il ne reste plus qu'à espérer que Watin sache comment rétablir la situation. Watin? Tu parles de la volticultrice? Elle-même, Watin la volticultrice. Si quelqu'un peut régler le problème de l'Unicea, c'est bien elle. C'est le rôle des volticultrices d'allumer les grands phares. Qu'est-ce qu'on va devenir? Le monde, il sera plus jamais comme avant. Un monde sans Harmonéon, c'est comme un papa sans moustache. C'est vraiment fichu, il n'y a aucun espoir. Je sais pas si je pourrais vivre sans ma fidèle moustache. Archibald, nous vivons des temps dangereux, il n'y a pas de doute. Si l'Harmonéon se raréfie, les lumières s'éteindront. La vie deviendra insoutenable. Bien qu'hier, je préparais un gâteau au radis branché. Et quand le four s'est éteint, mon gâteau n'était qu'à moitié cuit. Le continent est en morceaux, et on ne sait pas ce qu'il est advenu de l'Unicea, ni doit-il. Mais n'oublie pas une chose, mon fils. Ne perds jamais espoir, sinon la défaite est inéluctable. C'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant. Nous trouverons une solution. Nous rétablirons le flux d'Harmonéon. Oui, papa, j'en doute pas une seconde. Ah là là, je reconnais mon fiston. Papa! Avant qu'on comprenne quoi que ce soit, on était emporté vers le grand phare. Oh, j'ai compris! Mon père, c'est lui qui m'a mis dans cette capsule et m'a envoyé dériver sur les flots. Je vois. Il est peut-être toujours au grand phare. Oui, j'en suis sûr. Comme il dit, c'est précisément dans l'adversité qu'il faut savoir aller de l'avant. Alors en route pour l'île suivante. Et j'ai eu la récompense et j'aurais pu la louper celle-ci. Elle fait quoi sa lorgnette? Attends, non, c'est dans l'équipement. Ça c'est pour l'attaque. Augmente de 15% l'XP obtenu si vous gagnez un combat sans subir de dégâts. Mais c'est formidable. Bim. Ah moi j'y vais à fond sur l'XP là. Mais ça valait que pour Luigi du coup. Le pauvre. Pas écoute. Il a bien le droit hein, après tout. Alors. Tout a l'air ok au niveau des quêtes. Eh bah très bien. Il dérive en temps vu, le portulan. Il dit quoi? Il dit que. Oh, il y a un récif. Il dit qu'il y a un récif. Donc je vais attendre d'avoir le récif. Et je vais enregistrer. Car on arrive à la fin de l'épisode. Donc c'est le moment pour vous, hein. Il faut liker. Il faut commenter, il faut partager. Il faut vous abonner, il faut me soutenir, s'il vous plaît. Please! Je suis sûr qu'on peut voir le récif déjà. Il est là, je vois bien. Le récif est où? Quelle île étrange. Bah vous savez quoi? On verra peut-être plus tard pour le récif. Non, non, on y est presque. Récif en... Voilà. Le pensif. Oh, c'est trop drôle. Le pensif, le penseur. Donc combien de récifs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eh ben, c'est-à-dire que c'est grand. Bon, on s'arrête là. On sauvegarde vite fait parce que faut pas que je loupe la... Faut vraiment pas que je loupe l'île la fois prochaine. Hein. Comme d'habitude, donc vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. On se retrouve très bientôt pour la suite de Mario et Luigi. L'épopée éternelle. Fraternelle. Oh, c'est bon. Ciao.